Bonjour mes amis youtubeurs, youtubeuses et aussi pour Facebook aussi et mes jolies étiquettes de Facebook et YouTube Messenger. Mais cette fois-ci, c'est pour les youtubeurs, youtubeuses et mes jolies étiquettes, mes jolis cœurs. Bienvenue pour un petit annonce de Philatelmo et l'étiquette pour mon programme. Alors vous savez, en tout cas, je suis au repos maintenant, donc je vais faire un petit résumé, pas beaucoup, hein, parce que maintenant il faut pas durer assez longtemps. Donc tout d'abord, voilà, hier j'ai fait une émission qui s'appelle Retro Games Arcanostalgique. J'espère que vous avez adoré et ça se voit parce que moi je vois que je sens que vous avez adoré, même que je parle de mes petits abonnés. On refera justement cette émission, mais au lieu que ce soit lundi soir, ce sera tous les samedis entre 18h et 19h. Bon, ça sera une émission qui dure entre 40 et 45 minutes, hein, donc ce ne sera pas une heure, qu'on peut dire, parce qu'il y a les autres programmes aussi à faire, et puis voilà, donc ce sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors donc, ce week-end, il y a trois programmes. Alors d'abord, le premier, c'est le grand retour de As-tu ciné. Donc le grand retour de As-tu ciné, c'est-à-dire qu'évidemment, qu'il y aura, je vais avoir le film « Moi, moche et méchant 3 », justement, pour voir comment il est. Est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va être mieux que le deuxième? Et moi, j'ai vu vos annonces, mais ça a l'air quand même pas mal, quand même, parce que on trouvait qu'on retrouve, on va retrouver l'humour, justement, qu'on a perdu côté du deuxième épisode. C'est pas dire que le deuxième qui était pas mieux, qui était nul, qu'on peut dire, mais on sentait qu'on a perdu pas mal d'humour, justement, dedans. Et ça, je trouve que c'est assez dommage. Et donc, voilà, c'est. J'ai trouvé que c'est un peu dommage qu'on a perdu quand même dans le deuxième, qu'on va essayer de retrouver dans le troisième. Alors, est-ce que le troisième va être mieux que le deuxième? Parce que c'est vrai qu'on va retrouver, là, cette fois-ci, Moche va rencontrer son double, son frère jumeau, qui il est méchant, mais qu'en fait, que c'est un apprenti, que c'est Moche qui doit apprendre à devenir méchant. Est-ce que là, on va retrouver le même humour qu'on a vécu dans le premier, qu'on a perdu dans le deuxième? Ça on verra ça samedi dans les Actus Ciné. Deuxièmement, il y aura, bien sûr, Retro Games Arcade Nostalgie, derrière voir des vieux jeux des années 80-90 avec moi que je présente comme animateur bénévole, mais aussi il y aura le joueur de grenier, il y aura évidemment bien sûr Marcus qui présente Retro Game One qui sera dans ce magazine là, et en plus les meilleurs testeurs ou testeuses, testeurs et testeuses qui testent les jeux de des jeux de arcade des années 80-90 et aussi des bons arcades. Ça, il y aura aussi des belles images des jeux de notre souvenir de notre enfance. Et évidemment, qui va tester, que ce soit côté jeux baston, il y a des extraits de jeux baston, ou côté des jeux d'arcade des années 80. Ça, ce sera à partir de samedi entre 18h et 19h. Et ça finit à peu près entre 20h30. Hein. Donc ça sera un petit magazine. Et puis, ce troisièmement, samedi, eh ben, évidemment, il y aura bien sûr. Samedi soir, il y aura 100% Culture Geek spécial été. Non, c'est-à-dire qu'il y aura l'été, il y aura tout. Il y a le joueur de grenier, il y a Retro Game One, il y aura Julien Siez, il y aura bien sûr Carole, il y aura aussi Game One, il y aura tout évidemment, mais ça finira entre 23h45 et minuit. Donc après, il ne faut pas se coucher trop tard. Voilà. Et puis dimanche, bah vu que je vais me balader dans le parc, évidemment, un petit peu, il y aura mon premier carte postale de Lyon, justement. D'abord en direct sur Facebook, et après avec vous, justement, en deuxième partie. Donc ne vous attaquez pas, il y aura un grand balade à faire jusqu'à 18h, 19h. Donc il faut, voilà, évidemment. Et puis dimanche matin, il y aura Retro Comics, évidemment, qu'on fera, justement. Et un autre dimanche, qu'on fera spécial Batman, mais ce sera peut-être dans 15 jours. Voilà. Alors, si vous aimez mon annonce de programme de la semaine, pardon, le week-end, vous marquez Filet Tombo, justement, regardez ma vidéo des annonces, justement, et dites, ouais, ça sera bien qu'il fasse ça. Et à partir de maintenant, que je vous annoncer, c'est que je présenterai tout le week-end. Ça ne sera pas la semaine, maintenant, ça sera tout le week-end, que ce soit pour l'été et pour la rentrée. Donc, je reprends le 28 août. Et évidemment, ce sera la rentrée aussi, ce sera tout le week-end, ce sera mieux, parce que les gens travaillent la semaine, et puis le week-end, c'est là pour se détendre. Donc moi, je préfère travailler le week-end en tant que journaliste bénévole pour
les gens qui regardent, bah, c'est un qui veut regarder pour se détendre un petit peu et pour se marrer un petit peu. Voilà, je vous rappelle que je fais pour mes petits abonnés. Donc abonnez-vous justement. Vous marquez Filet ton mot. Et si vous aimez ma vidéo justement, et ben envoyez-la commentaire. Même depuis le 19 mai, j'ai commencé. Si vous regardez toutes mes vidéos et vous aimez ça, envoyez plein de commentaires. On fera tranquillement et sagement et surtout beaucoup de bonheur et des rayons de soleil. Voilà, c'était Filet ton mot et je vous dis à ce week-end cette fois-ci pour nos aventures de As-tu signé de moi, Moche et Méchant 3 et puis carte postale, rétro comics et 100% culture geek. Bisous et envoyez un commentaire sur Filet ton mot. Envoyez ce que vous pensez et je reprendrai de mon mieux. Bisous, je vous aime déjà et vous manquez énormément, mes petits chéris d'amour.